Bon, on est enfin de retour après par contre une semaine d'absence. Bon, en même temps, c'était au coup un jour particulier la semaine dernière. Du coup, on est reparti cette fois-ci pour faire la partie 2. C'est on va speedrunner avec la touche Escape. Sur la touche Seacraft, Lego Seacraft, on est pour un épisode sur Sam Pidgeup, héros de la nuit. D'abord, une chaussette. Une autre chaussette! Je vais la ramasser, ça fera plaisir à maman. Il faut que je les range par paire. On dirait qu'il faut que je trouve 10 paires de chaussettes. Bon, allez, on y va. Et donc, juste pour rappel, donc oui, j'ai bien ma planche. Donc, du coup, on va faire le truc rapidement. Genre, vous savez. Avant d'aller chercher Obscur, je dois retrouver mes affaires. Allez hop, la planche, voilà. Non, on peut monter. Et on y va. Alors, voyons voir déjà. Est-ce que. Non, t'as toujours mur ici, mais il faudra faire pareil pour aller chercher. Et ok, donc il y a déjà une poignée. Donc, c'est-à-dire que normalement. Je me dis, normalement, il n'y a pas la lampe torche qui s'ouvre ici. Je prends ceci. Je peux entrer? Ah non. Impossible d'où. Ok, alors attends. Bouillotte d'huile. C'est goût. Oh, un marteau. Waouh, un marteau. Efficace. Ok, donc là, en gros, le marteau, il se trouve carrément ici. C'est juste pour vérifier. Alors, ok, donc le marteau, il peut se trouver ici. Sinon, on voit pas grand-chose. Attends. Y aurait-il pas une chaussette quelque... Attends une minute. Est-ce que ce bout de bois... Enfin, là, je me pose la question, mais normalement, vu qu'il y a un bout de bois ici, est-ce qu'il faudrait pas une hache pour couper? Grosse possibilité. Et par contre, non, je vois pas d'autres chaussettes. Bon, allez, hop. Allez. Allez. Et hop. Alors, attends. Non, pas de chaussettes par là. Bon, t'as toujours le saut qui est là. Non, y a pas d'autres chaussettes. Alors, attends. Littéralement, je vois pas de chaussettes à horizon, donc. Mais par contre, est-ce qu'il faudra faire pareil pour aller chercher les rames ou le moteur? Encore une chaussette. Ok, une chaussette rose. Ah oui, on n'oublie pas le meilleur. Cocorico. Cocorico. Chez nos voisins les Français. Et hop. Non, je vois pas de chaussettes ici ou par là. Un manche tête aveugle, mais normalement, non. Ok. Ouais, toujours à prendre l'arbuste. Attends, tic, 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 tic. Ah, la chaussette. Hey, j'ai trouvé une autre chaussette. Et hop là. Le père. Salut. Cette chaussette est à papa, je crois. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Surtout, qu'est-ce qu'il faut toutes les chaussettes ici, hein? Nope. Non et non. Allez, hop. La bûche. Ouah. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouh. Ok, chaussette. Il y a encore une chaussette. Et hop. Ah, et ok, donc la boîte de pique-nique se trouve carrément ici. Ok, donc toujours le même saut. Ouh, la carotte. Ok, donc là, on a la carotte. Bon, ok, jusqu'à là. Ok, mais attends. Il y a qu'entre le masque et la boîte de pique-nique, en gros, qui est toujours dans le même endroit. Mais par contre, là, le... Bah, ils sont où alors, la lampe torche? J'ai peut-être ma petite idée, mais je suis pas sûr. Et hop. Et hop. Et hop, on sort. On fait comme par les principes. Attends. Non. En soi, par an, je vois pas d'autres chaussettes sinon à l'horizon. Allez hop. Bouillotte d'huile. J'ai des bouillottes d'huile. Allez, le menu, tu t'ouvres. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Et. Oh. Oh oui, là, je m'en rappelle très bien. Hey, j'ai trouvé une autre chaussette. Et hop.
Oh, ok, donc là, il y a cet autre passage-là qui, totalement, je crois bien, était mis là exprès. C'est qu'en gros, là, il faudra donc couper par là. Mais le truc, c'est que en gros, on est un merdeux. Oui, le but merdeux. Mais attends. Voyons voir les autres lieux. C'est toujours ici? Ouch. Bon, ok. Très bien, donc littéralement, j'avais bien l'impression que c'est pas le compteur donc qu'il faudra. La pioche, voilà, à moi. Monte la porte, mais qu'il fera toujours dans un seul sens. On a accès donc au truc de la mine ici. Oh, attends. Chaussette. Voilà. On a trouvé une chaussette ici, mais attends. Y aurait-il pas une autre chaussette aussi? Non. S'il y avait mon curseur, il y aurait quelque chose. Bon, ok. Donc là, déjà, on a donc des trucs. Un marteau et un piolet. Allez. D'abord, c'est quoi ça? Ces planches sont solidement fixées. Ok, donc là, je peux sortir de mon chariot. Le bon chariot. Allez hop, on dévisse. Attends, on se rend. Pousse, pousse. De toute façon, j'en avais marre de ce boulot. Tu crois qu'Obscur sera fâché? Oh, tu sais, il ne vient jamais ici. Allez, salut, bonne journée. Un peu marrant celui-là. Et bien sûr, il me fait référence à Pousse Pousse, la voiture rose. Ok, et maintenant, si on rentre, je crois que normalement, tu as accès normalement à un tunnel où tu as normalement un truc avec des comptes. Enfin, tu dois faire un truc de des points. Oh oui, oh oui, ça je m'en rappelle très bien. Oh mais oui, mais oui. Attends, il y a des choses? Donc à faire, on clique un peu partout, hein. Oui. Oh, c'est là, c'est un peu mon préféré, je crois bien. Ouais, bon, ok. Alors donc, ces points. Alors, ok, je vois. Donc, faudra faire carrément le truc de la mine. Si tu dois relier les points en faisant tac, 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 tac. Et je parie sur un gros bordel, je parie. Comment se fait-il que les rails s'arrêtent devant le mur? Aucune idée. Il me semble pourtant qu'ils continuaient. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller là-haut. Ouais, possible. Du coup, ok. Donc là, on a un passage. Et donc, du coup, on est reparti pour refaire... bah, la glissade. Pas de chaussettes ici. Tout droit. Non, j'en vois pas. J'en vois pas ici non plus. Et on est revenu au truc du mini-jeu. Mais attends une minute. Si j'ai par contre refait une partie, est-ce que ça me ramène toujours à là ou c'est toujours game over? Non, ok. Donc littéralement, j'ai fait totalement le truc au complet. Donc ça y est, en gros, que si par exemple tu as la moitié du truc, mais que tu finis ta partie, t'es obligé de recharger ta sauvegarde avant ça, sinon carrément, c'est t'as tout perdu. Ouais, c'est totalement con. Bon. Alors. On va en bas. Ici. Non. Pas de chaussettes. Pas de chaussettes ici. Non, pas de chaussettes. Allez, hop. Laisse-moi revoir par là. On va pas par ici. On part un peu par le bas. Et ceci, on coupe par là. Et on arrive dans le truc de la mine.
la mine, la 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 la. Allez, allons prendre la pioche et tailler ses pierres. Ta-ta-ta-ta-la. Bon, et comme d'habitude, on a une pupita, du coup, on va y aller. Attends, on repart. Voilà, et... ça repart toujours par là, du coup, on va piquer tout droit. Tout droit. Non, pas de chaussettes. Ok. On coupe par là maintenant. Monte. J'ai vu une chaussette. Hop. Ici. Et on est par là. Bon, on a trouvé une chaussette. Bon, une chaussette. Et je remets après, normalement, c'est tout. Après, normalement, après, je vois rien d'autre. Rien du tout. Donc là, on a fini un peu avec cette zone. Attends, donc. Du coup, j'y retourne. Enfin, pas totalement. Hé, hey, cette chaussette. Alors, celle-là, j'ai du tout pas dû la voir. Chelou, oui. Je remonte. On se met là. Et tiens, ta pépite. Bonjour, je m'appelle Sam. J'aimerais traverser le pont pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Inutile de me passer la... Ouais, bon, il dit pareil. En gros, il n'y a pas de jeu. Allez, hop. Et on entre. Et ah ah, là, il y a le nouvel élément auquel je disais avant. Il y a le crayon. Sur ce crayon, il y a écrit « Équipe de construction ». Tout juste. Je suis le membre le plus important de l'équipe de construction du domaine d'Obscur. Sans moi, ils ne savent pas faire grand-chose. Si t'es si important, pourquoi tu traînes dans le parc au lieu de travailler avec l'équipe de construction? Je préfère ne pas en parler. Tu fais un bout de chemin avec moi? C'est certainement plus intéressant que de rester là à attendre qu'un de ces gros patapouf bouge le petit doigt. D'accord. Et voilà, et on a gagné un crayon. Bon, on sait pas dire de fromage et cracker, mais si on fasse au level up. À parti. Très... Eh, ça ressemble au morpion. Ouais, allez, le fromage. À moi maintenant. À toi de jouer. À moi maintenant. À toi de jouer. À moi maintenant. À toi de jouer. Est-ce moi qui mets en mode facile ou normalement là il peut faire au coin d'ici ici? Où vais-je jouer? Ah oui, je vois, normalement, dans cette grosse case-là, faut faire un truc avec 4 morceaux de trucs et... Ok, je vois. Bon, normalement, c'est gagné. À moi, maintenant. Attends. Ouais, attends, c'est pas un truc de 5, en fait? Tu l'avais pas vu venir, hein? Attends, si c'est pas de 4... À mon avis, il faudra faire un truc de 5, c'est ça? J'ai bien l'impression que oui. Je me trompe? À moi maintenant. Attends, toi, je vais te bloquer ici. Je parie que tu te crois fort. Tu l'avais pas vu venir, hein? On bloque ici quand même. Je suis battu comme un fromage blanc. À toi de jouer. On tente le diable. Et s'il prend son biscuit ici, c'est mort. Bien joué. Et voilà, gagné. La prochaine fois, je te battrai. Ouais, donc littéralement, en gros, le difficile, c'est offert 5 et le moyen, offert 4. Ok. Halte là. Merci beaucoup. Bon, normalement, en gros, j'ai le crayon, donc du coup, je peux totalement revenir sur les rails.
Et on peut faire le truc du point. Allez, le crayon. Et on y va pour le truc des points. Bon, allez, voilà. Je me souviens de ce projet. On était en train d'y travailler quand les ouvriers m'ont confondu avec le crayon qui sert à marquer les scores du golf et m'ont abandonné sur le parcours. Finissons le travail. J'ai un peu perdu la main. Il va falloir que tu m'aides. Il faut que tu comptes de 3 en 3. J'espère que tu sais compter. Alors, ok, de 3 en 3. Donc, tu veux dire, faut faire un truc du genre... Ok, c'est des sortes de multiplication. Bon, 3... 6, 12... Rappelle-toi, il faut que tu comptes de 3 en 3. Si tu veux effacer la ligne, replace-moi sur le nombre précédent, d'accord? 6. Ok. D'accord, ok. Donc là, faut faire vraiment du 3 en 3. Donc, ok, donc c'est un sort de mini-jeu qui, pourtant, c'est comme le truc là où tu dois relier de point en point, mais seulement faut faire un peu une sorte de table de multiplication. Bon, 3, 6, 9. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Et voilà. 30. Dis-moi, c'est du bel ouvrage, si je peux me permettre. Hey Bertrand, toi ici? Oh bah tu croyais plus jamais. Si, oh bah tu croyais plus jamais te revoir. Oscar Fou, bon sens que je suis content de vous voir, les gars. Oups, faut y aller. C'était un plaisir de travailler avec toi, petit. Bon bah c'est ça, salut hein. Franchement, je suis un crayon qui a fait des études et d'architecture en plus. J'ai des diplômes, moi, monsieur. J'ai fait des études. Alors franchement, pourquoi? Non mais pourquoi on me prend pour un crayon qui sert à marquer les scores du golf? Ouais. Et donc du coup, on a fait un trou. Un trou. Mais du coup, attends. Sabine, où se trouve déjà? Qui a éteint la lumière? Hé, hey, regardez ça. Mais c'est ma lampe torche. J'aurais parié que c'était ma lampe torche là-bas. Ok, donc là on a carrément un nouveau terrain. J'avais totalement oublié j'ai ça. J'ai trouvé une chaussette. Ah littéralement, je savais pas que les jeux carrément. Enfin, je savais pas que ce jeu carrément était aussi complet aussi. Hein. Mais surtout qu'il y avait beaucoup de variations. Alors attends. Bon, ça y est, pareil. Oh, ok. Je suis sûr que si je saute du wagonnet, je pourrai atteindre l'interrupteur. On dira un interrupteur géant. Là, c'est éteint. Ok, alors attends, si je fais ceci... Ça mène où? Ok, ça ramène à là. D'accord. On y voit, mais c'est ma lampe. Ok, je vois, alors attends. Ça, et hop. Voilà, du coup normalement, il va y avoir normalement de la lumière. Alors non. 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 Ok, mais attends, j'avais vu une chaussette. J'avais vu une chaussette, j'étais pas fou, hein. Là j'ai cliqué un peu n'importe où. Alors attends une minute. Donc là on se retrouve ici mais j'avais normalement vu une chaussette. Je suis pas fou hein. Attends, recommence. Non, il n'y en a pas ici. Non.
Allons par là. Bizarre. Attends, je vois ce qu'il faut faire. Du coup, il faudra carrément que je prenne le crochet pour remettre à du rail ici. Ensuite, on va monter tout là-haut pour faire le ronceau pour récupérer cette lampe torche. Ce crochet est fixé à ce truc là-haut. Ça chatouille. Ça y est, vous êtes détaché. Attends, donc là, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On monte? Mais il faut pas qu'il ait le vertige là, il a aucune sécurité, hein. Allez, oh mon dieu, attends, il faut que je trouve un engrenage, c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un vieux treuil. Je parie que si je vous fais remonter avec, on ira carrément très vite. D'accord, essayons. Ben, je crois qu'elle est cassée. Bon, il faut que tu descends. Ok, pas d'autre choix. Alors attends, hop. Et ok, donc on va trouver donc un engrenage. Comme si c'était pas simple. Bon, après niveau chaussettes, j'en ai pas trouvé. Bon, alors c'est quoi alors donc le repère du domaine obscur? Chaussette. Encore une chaussette. Et toi, tu peux plutôt te mettre là. Tiens, j'ai gagné un truc? Non, attends. Bon, ok. Hop. Les cailloux. Un autre caillou. Et voilà. Alors la cuisine, les marches. En gros, tout ça, ça n'a pas changé. Dancer. J'ai encore trouvé une chaussette. Hop. Mais c'est quoi ce bazar ici? D'après ce réveil, il est 5h45. 5h45, c'est noté. Non, non, non. Et non, je voyais l'autre. Pourquoi vous ne bougez? Ouh, je vous ai vu. Je devrais peut-être remettre la musique. Nope. Apparemment, c'est pas la solution. Faites comme si j'étais... Ok. Cuisine. Là, ça reste toujours pareil. On appelle ça... Mais par contre, j'ai toujours ce truc de cette musique-là qu'il y a dans Spy Fox. Oui. Les carottes vont être libérées. Et voilà, on a gagné le masque. Ok. Non. Et en haut, c'est toujours Luffy. Na chaussette. Vive les chaussettes. Et voilà. En gros, il me rentre en ordre violet, rouge, bleu. En gros, il me manque un peu certains. Allez hop. Allez, c'est là. Nos catégories. Ah oui, on voit. Je choisis. Très bien. Voici la question suivante. De quelle couleur sont les fleurs de l'autre côté de la rivière? Violet. Violet. C'est la bonne réponse. Cuisine. Je me laisse tenter par cuisine. Très bien. Voici la question suivante. Quel est le nom de l'appareil qui utilise des micro-ondes pour chauffer la nourriture? Qui utilise des micro-ondes pour chauffer la nourriture? Quel est le nom de l'appareil qui utilise des micro-ondes pour chauffer la nourriture? Un four à micro-ondes, un gris double face, un maïté. Bah normalement c'est celui-là. Un four à micro-ondes. C'est exact. Je prends les personnages célèbres. Très bien. Voici la question suivante. Qu'a dit le jeune roi François II lorsque ses conseillers lui demandèrent ce qu'il devait faire pour régler le problème de la pauvreté en France? Comment le saurais-je, hein? C'est trop difficile, je suis encore un enfant. Je n'ai pas le temps à perdre avec ces questions aussi dures. Oh la vache! Oh la vache! Alors ça, j'ai du tout pas eu ça. Alors qu'a dit le jeune François II lorsqu'on le conseille lui demandait ce qu'il devait faire pour régler le problème de la pauvreté en France?
Bon allez, autant même si j'ai au coup une mauvaise réponse. Comment je le saurais? Oui, c'est tout à fait exact. Bien qu'il ne l'ait pas dit exactement en ces termes. Ça va l'air bien par... Catégorie musique, s'il vous plaît. Très bien, voici la question suivante. De quel instrument joue-t-on avec une baguette? Le tambour, la flûte, c'est du vent, la guitare, des cordes, la trompette, c'est du vent, et les tambours, c'est la percussion. Le tambour! C'est exact! Et voilà. Allez, maintenant, on rentre. Et du coup, attends. Si on a déjà une poignée sur l'autre, c'est quoi alors celle-là? Ok, ça change rien. Attends, toujours pareil? Comment? S'il vous plaît, excusez-moi. Désolé. Ouais, bon, ok. Tola, visite. Ok. Bon, on retourne, c'est un peu par Paris. On remonte. On recommence. Fais attention, tu vas casser quelque chose. Il faut que je me balance. Oups. Attends, hop. Hop, et hop. Encore un peu plus haut. Hop. Allez. 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 Non mais, je suis sûr que t'as un moteur normalement pour faire monter au cas où, auto. Allez. Encore un petit yannick. Encore un. Et normalement, c'est la bonne. Ludwig L.U. Toujours marrant, lui. Ouais. Non, ça reste toujours pareil. Et... Oh mon dieu, l'horloge. Oh oui, ça je m'en rappelle. Oh, ça je m'en rappelle bien. J'ai encore trouvé une chaussette. Et hop. Oh oui. Oh oui, ça je m'en rappelle bien. Bonjour, je suis Sam Pyjam. Je suis venu... Attends, laisse-moi deviner. Tu es ici pour Terrasse Obscure, c'est ça? Comment le savez-vous? J'ai déjà vu ça quelque part, mon petit. Vous voulez dire que je ne suis pas le premier? Oh mon dieu, non. Oh. Oh, ça je m'en rappelle très bien. En gros, t'as le truc au coude où tu dois régler l'heure qui seront en... Enfin, attends, je récapitule. Là, pour celui-là, donc, il faudra donc régler l'horloge qui se trouve ici. Mais par contre, pour ça, faut trouver l'heure. Mais pour ça, la solution, c'est se retrouver où là, carrément, t'as les autres qui dansaient. Et là, où t'avais l'heure exacte. Donc, attends, ils avaient dit que c'était... Normalement, c'était 5h45. Et des enfants? Il y en a eu beaucoup avant moi? Tu peux le dire, oui. Bien sûr que je suis là depuis longtemps. Très longtemps. Il y avait déjà la télévision par satellite quand on vous a fabriqué? Oh non, je suis bien plus vieux que ça. Tu aimes les rouages, dis-moi. Ah ouais, alors? Écoute, tu pourras prendre celui qui te plaît si tu règles mes vidouilles sur l'heure exacte pour moi. D'accord. Du coup, la petite aiguille. Tu vas plutôt... Attends, le 5 normalement il est ici, le 7 il est là. Alors attends. Hop. Voilà. Et... Voilà. D'accord, ça devrait marcher. Oh, bon travail, dis-moi. Merci, fiston. Vas-y, viens, choisis-toi un rouage. Normalement, je remarque que le rouage, il nous faut, c'est... attends. C'est pas normalement le petit ou le grand? J'avoue que je suis un peu bloqué. Mais normalement, je remarque que celui-là était en or, normalement. Mais t'avais aussi celui-là. Attends, on va plutôt prendre celui-là. Merci pour le rouage, papy. Ouais, merci beaucoup. Voilà, ok, les livres verts. Chaussettes. Encore une chaussette. Et toi, tu vas là, donc il manque que ces quatre-là. Et on aura le topo. Attends, et quoi là? Pour découvrir un mystérieux univers, ne regarde que les verts. Ok. Hop, 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 et hop. J'ai l'impression... Et hop. Voilà. Et hop. Le truc des potions. Et... Ok, j'ai vu une chaussette. J'ai vu une chaussette. Attends. Non. Je vois pas d'autres chaussettes. Toujours trouvé une. Hop.
Ok. Bon, le tour des potions, on fera peut-être un peu plus tard. Hé, cette chaussette. Mais d'abord, toi, tu vas là. Hop. Tiens. Je me demande. Hop. Et voilà. Voilà, on a mis d'oreiller là. Hop. Et hop. C'est bon. Crochet. On monte. Et du coup, là, normalement, c'est le bon. Super, ça marche. Je l'ai réparé. Sam Pijam, le roi de la mécanique. This big brain time. This big brain time. Allez, on y va, on monte. Allez, hop, tu montes dedans et attention à décrocher. Attention, t'es prêt? Dans 3, 2, 1, on décroche. Accroche-toi, petit. Ah! J'ai réussi. Et voilà, on a la lampe torche. Alors, donc, en gros, normalement, tout ce que j'ai, c'est entre. Ben, normalement, j'ai le masque, les trucs, ok. Parfait. Allez, bon ben on va quand même profiter. J'ai bien dit, on va quand même profiter d'aller chercher la boîte à pique-nique et comme ça, ce sera bon. Yep. 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 Hop. Hop. Les rames. On monte. Et hop, la boîte. Et voilà. Hé, des pièces. Je voudrais qu'ici l'herbe soit plus verte. Pourquoi vous faites un vœu? C'est moi qui ai jeté la pièce, non? Le puits des vœux, c'est toi ou c'est moi? Ah. Toujours marrant les pièces, surtout à faire un vœu. Je voudrais une pièce. Oh, juste ciel, mon vœu est déjà exaucé, non? Merci. Je voudrais un énorme sandwich au poulet, avec de la moutarde piquante et du fromage. Oh, je donnerais n'importe quoi pour un sandwich au poulet. Je voudrais avoir des yeux dans le dos. Ouais. Je voudrais un peu de calme et de tranquillité. Oh, t'en fais pas, hein. Tu es bien tranquille ici, hein. Je voudrais que tu me laisses tranquille. Bon, c'est pas de ma faute. Bon, allez, me tire. Et voilà. Donc là, normalement, on a les trucs. Ça, c'est bon. Hop. Et par contre, je sais où on va s'arrêter parce que... Donc là, on est un peu sur le deuxième. Le deuxième. Et j'ai bien envie qu'on fasse un petit truc. Alors, je sais pas si ça a déjà été fait. Mais c'est un truc rigolo qui se trouve carrément ici. Qui est la salle des potions. Alors, du coup, ensuite, là. L, L, C, et je mets 2. Voilà. Et donc, du coup, on s'arrête ici. Voilà, c'est la fin de cet épisode donc sur Sam Pijam, héros de la nuit. Like, commente, partage, abonne-toi, clique la cloche, inscris-toi sur Twitter, TikTok. Du coup, pour l'épisode prochain, bah, on profite de faire un peu le truc des potions. Oui, les fameuses potions. Et peut-être aussi qu'on profitera pour vaincre Obscur une deuxième fois. En gros, on a le masque, la lampe torche et la boîte à pique-nique. Enfin, on a toujours la bouillie d'huile et le marteau. Bon, allez. Bah moi je vous dis carrément une chose, c'est tus. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser avec ces popos. Mais je sais pas si c'est déjà été fait, mais vu les millions de combinaisons, bon ça risquerait d'être marrant. Bon allez, ciao.